Salut! Non mais attendez, vous pouvez pas arrêter votre histoire comme ça, ça fait presque un mois que ça dure! Au bout d'un moment, il faut abréger! On a rendez-vous demain matin, faudra attendre ce moment-là! Et puis comment vous avez retrouvé mon adresse? J'ai demandé à Ghislaine, vous croyez quoi? Bref, je ne vous dirai rien avant demain! Eh, j'ai fait la route jusqu'ici! Vous me devez bien ça, non? Ah, qu'est-ce qu'il est chiant, putain! Ça marche, mais à une condition. Ah, je suis désolé, vous êtes pas du tout mon genre. Vous la voulez, votre histoire, ou pas? Oui, oui, on y va. Je veux bien vous raconter la suite, mais que si vous me faites pas payer cette séance. Je vous rappelle que vous êtes chez moi, de base. Voilà. Je vous écoute. Bon, j'en étais où, déjà? Alors, si j'en crois mon carnet, la bouboule bleue s'est fait écraser par le gros robot que vous aviez détruit des années auparavant, mais qui a ressuscité, et ce gros robot allait vous jeter dans l'incinérateur où vous aviez balancé toutes ces autres bouboules. Lol. J'ai pas raconté ça comme ça, mais on va rien dire. Je ne pensais pas ressentir ça un jour. Cette terreur en voyant son énorme corps métallique. Ces frissons en entendant sa voix sans émotion. Et malheureusement, il a fallu que je sois confrontée à Kratos une nouvelle fois. Mais ce coup-ci, je savais que je ne pouvais plus lui faire confiance. Cependant, je devais jouer le jeu et résoudre ses tests en attendant de trouver une solution pour m'enfuir. Nous y voici, l'incinérateur. Attention, je ne voudrais pas vous voir trébucher sur les restes de moi-même que vous avez jetés là. Ouais, mais sinon pourquoi vous m'avez emmené là? Avouez que vous voulez me tuer encore une fois? Mais non, je ne suis pas comme ça. Je veux bien vous donner une seconde chance. C'est bizarre, je vous fais pas confiance là. À vous de voir. Mais sachez qu'à la moindre erreur ou rébellion de votre part, je vous tue sur le champ. C'est rassurant. À présent, essayez de passer ce pont pour récupérer le double générateur de portail. Rassurez-moi, c'est des fausses flammes en bas. Oui. C'est vrai? Non. Je m'en doutais. Bon. Si vous tombez, je ne peux rien faire pour vous, car ceci n'est pas un test. Ça, j'avais compris. Et maintenant? Le générateur de portail doit être par là. Trouvez-le, et nous pourrons commencer les tests, comme en bon vieux temps. Les tests, ça ne m'avait pas manqué bizarrement. Je le vois. Mais il se trouve sous des débris. Attendez, je vais essayer de vous libérer la voie. Oh, je l'ai presque. Continuez. Temps mort, excusez-moi, mais vous savez que sans les images, c'est assez troublant ce que vous me racontez là. Désolé. Je le tiens. Maintenant, avancez. Il doit y avoir un moyen de retourner dans la zone de test. Ok, je vais voir si je trouve quelque chose. Par contre, après le début des tests, le protocole m'impose de limiter au maximum mes interactions avec vous. Les tests n'ayant pas commencé, c'est notre dernière occasion de parler. Vous avez quelque chose à dire? Pour dire tout ce que je pense de vous, je vais en avoir pour des heures. Ça ne m'étonne même pas venant de vous. Tiens, c'est quoi cette salle là-bas? La dernière salle de test qu'on a faite ensemble. Ça rappelle des souvenirs, n'est-ce pas? Ah oui, voyons voir. Vous n'étiez pas là pendant tout le test, vous avez créé un musée sur ma vie, vous m'avez menti au sujet du gâteau que vous m'aviez promis, vous avez essayé de me jeter dans les flammes, et enfin, vous avez voulu me tuer pendant que j'essayais de m'échapper. Ouais, quel souvenir incroyable, ouais, en effet. Hein. C'était génial.
Heureusement, il n'y a plus d'acide. Oui. À cet endroit de fermeture, tout l'acide stocké s'est desséché. Mais ne vous inquiétez pas, je vais en produire très rapidement pour vos futurs tests. Cool. Savez-vous ce que j'ai appris de plus important grâce à vous ? Non, et je m'en contrefous. J'ai découvert que j'avais une fonction de sauvegarde rapide. Une sorte de boîte noire qui, en cas de défaillance majeure, préserve pour analyser 2 dernières minutes de ma vie. Ah, et du coup ? Disons qu'à cause de vous, j'ai dû revivre mon meurtre de vos mains. Encore et encore. C'est horrible. Si vous aviez fait ça à quelqu'un d'autre, il aurait pu passer sa vie à tenter de se venger. Mais heureusement, je suis au-dessus de tout ça. Je ne pense qu'à une chose, oublier et travailler. Avec toute la pagaie que vous avez mise à Fermeture Science, j'ai beaucoup à faire. Il ne nous reste plus que 60 ans. Plus ou moins. À vrai dire, je n'ai pas les tables de mortalité en face de moi. Vous pensez vraiment que je vais mourir dans 60 ans ? Personnellement, j'aurais dit quelques heures vu votre niveau pour résoudre des salles de test. Mais je dois ignorer ces faits dans mes calculs. Sympa. Sinon, au lieu de parler, vous pouvez me dégager le passage ? Il y a plein de loupiottes partout, je peux pas avancer. Mais quel désordre ici. Après, je ne vise personne. Shell. Enfin l'ascenseur. Mais comme vous êtes revenu vers moi, nous allons pouvoir faire des tests jusqu'à la fin de vos jours. Et comme je connais toutes vos vilaines ruses, vous ne pourrez plus rien contre moi. Moi aussi, vous savez, hein. Je me souviens comment vous avez essayé de me vaincre la dernière fois. Maintenant, ça ne marchera plus. C'est ce qu'on verra. Dorénavant, place au test. Excusez-moi du désordre. Je n'ai pas eu le temps de ranger depuis que vous m'avez tué. Au fait, je ne vous ai pas remercié pour ça. Je vous en prie. Bon, finissons-en. En quoi consiste ce test ? On va commencer avec ce test très facile. Il s'agit d'un test à base de laser mortel, visant à déterminer la façon dont les sujets réagissent au laser mortel. Logiquement, ça devrait vous tuer, mais on ne sait jamais. Pour ouvrir la porte, il faut faire en sorte que le laser atteigne. Voilà, j'ai fini ! Je vois que vous comprenez vite. Sinon, quand est-ce que vous avez mis au point tout ça ? Je veux dire, vous étiez mort, quoi. Avant de mourir, pendant que vous faisiez les salles de test. Vous êtes vraiment incroyable comme robot, même si vous êtes taré. Merci. À présent, passons au test suivant. Voici une nouvelle création de Fermeture Science. Il s'agit d'un cube anti-découragement. Il sert à quoi ? On dirait une boule à facettes. C'est un cube qui vous empêche de vous décourager face à n'importe quelle situation. Et plus sérieusement ? Il sert principalement à dévier un laser. Comme un miroir, en gros. Exactement. Donc j'ai raison, c'est une boule à facettes. Psst, hé ! Hein ? J'ai cru entendre quelqu'un. Oui, c'est moi. Regarde, je suis là, coucou. Whitley, mais qu'est-ce que tu fais dans ce mur ? J'ai pas le temps. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Je vais te libérer de cette folle furieuse en un rien de temps. Il y a un problème ? Je pars toute seule. C'est sûrement dû aux effets secondaires des lésions irréversibles, vous savez. Sûrement. C'est déjà arrivé sur des anciens sujets de test. Si vous le dites, malgré qu'il ressemble à un cube à facettes, comment j'utilise ? Mets-moi devant le laser pour dévier, ma petite. Ah, tout simplement. Attends, tu parles ? Et comment, ma petite ? Eh, arrête de m'appeler ma petite. Je fais quand même 1m70, je suis loin d'être petite, hein. Par contre, soit les processeurs cube et tour, elles parlent vraiment, soit je deviens schizophrène et je me mets à parler à des choses inanimées. C'est flippant. Un peu les deux, mais tu verras. Tu t'y habitueras avec le temps. T'es obligé de pousser des cris random à la fin de tes phrases ? Oui, j'ai la musique dans le sang. Billie Jean is not my love. Et voilà qui met du Michael Jackson. Just a girl who claims that I'm the one. But bon, the tiens, prends-toi un lézard dans le bide un peu. C'est vrai, ça te fait mal? J'ai juste la pièce de disco qui coule dans mes circuits internes. Yeah! Putain, il me saoule déjà. Bon, je l'ai bien placé et visiblement ça fait apparaître un escalier. Hey! Mais où tu vas comme ça? Tu veux pas danser un peu avec moi? Je suis sûr que tu es une bonne danseuse. Attends, j'ai monté les escaliers, je suis devant la porte, mais elle ne s'ouvre pas. Ne me dites pas que... Oh, faut que j'utilise ce cube pour le mettre sur ce bouton.
On dirait que j'ai pas le choix. Finalement, tu ne m'abandonnes pas. Je savais que tu reviendrais me voir. Le rythme du disco est en toi. Je le sens. Ouais, blablabla, c'est ça, ouais. Bon, reste sagement sur ce bouton et je viendrai te chercher plus tard, hein. D'accord? Ou un jour, peut-être. Je sais pas encore. Ok? D'accord. Je t'ai fait confiance. Ouais, c'est ça. À plus tard. Bon débat. Alors, devant moi, j'ai les résultats de vos derniers tests. Vous êtes quelqu'un d'affreux. C'est ce qui est marqué. Quelqu'un d'affreux. Et en tout petit, cause de points. Abandonner un cube anti-découragement dans la salle. Quel horrible personnage que vous êtes. Mais d'après mes souvenirs, je n'ai pas droit de sortir tout objet provenant des stades de test. Donc au final, je n'avais pas le choix, faut savoir. Hein. C'est pas faux. Alors, sur quoi va porter la prochaine salle de test? Eh bien, vous allez faire l'expérience des plaques de foie aériennes de Fermeture Science. Des plaques de foie aériennes? Pourquoi pas des plaques de poumons souterraines? Ah oui, je sais, elle est nulle. Les sujets de test les ont déjà expérimentés avant vous. Mais disons que les résultats ont été très probants. Le catapultage inhibe la logique. Comment ça? Les sujets s'amusaient à les utiliser et ne réfléchissaient plus du tout aux tests. Je n'ai pas très envie de les expérimenter avec vous, mais bon, la science doit avancer. Eh, je peux être sérieuse quand je le veux. Je reviens. Il faut que j'aille dans l'aile qui était faite entièrement en verre pour amasser 60 000 mètres carrés de verre brisé. Toute seule. Et pourquoi vous avez fait une salle en verre? Esthétiquement, c'était plus beau. Raison de merde. Bref, je vais résoudre une salle de test de 60 000 mètres carrés. Toute seule. 59 357 mètres carrés, précisément. Bien, vu l'acide en bas, on va éviter de tomber. Voyons de plus près ces plaques de foie. Wow, je vais être projeté comme ça? Mais c'est dangereux ce truc! Bon, j'ai pas le choix, il faut que je réussisse ce test. Oh. Ah merde, je vais atterrir sur un mur, vite! Ah. Oh. Ah. Réflexion à moi-même, mieux atterrir la prochaine fois. Qu'est-ce que... C'est... une ancienne salle de Ratman? Je me demande ce qu'il est devenu. Une radiocassette? Test, test! Ah, ça marche! Salut Michel! Oh, c'est lui! Pourquoi tu me dis pas bonjour? Ah oui, c'est pas un téléphone. Salut Michel, c'est Ratman! Si tu écoutes ce message, c'est que soit je suis mort d'épuisement, il serait... soit je suis mort de faim, soit je suis mort d'une maladie grave, soit non. Je suis mort tué par Kratos, soit je suis parti prendre des vacances ou un truc du genre. Quoi? Je suis plus là, quoi, d'accord? Pour commencer, félicitations, tu as réussi à survivre jusqu'ici, et ça c'est cool. Parce que si t'étais plus là, bah, tu pourrais pas écouter ce message, c'est logique. Toujours aussi perspicace. Si je suis là, c'est pour t'avertir d'un truc. Dans les prochaines salles à venir, tu pourrais être en grand danger. Kratos a une dent contre moi, je sais. Après tout, je suis le seul survivant de Fermeture Science. Sans blague. Enfin, seul survivant, avec toi. Mais ça c'est autre chose, ouais. Tu dois le savoir, Kratos adore la science. Je suis sûr que si elle pouvait, elle se marierait avec. Et j'ai découvert pendant ma fuite qu'elle gardait des choses secrètes. Quoi? Je peux pas parler. Je sais qu'elle va l'utiliser ça contre toi. Elle veut s'en servir. Elle peut s'en servir à tout moment. Non. Il faut que je te dise. Cette arme secrète, c'est... Ah non, sa tête de radio. Allez, ah, laisse pas tomber maintenant. Oh, c'est de la camelote ce truc. Apparemment, je dois faire attention à Kratos. Et vu sa colère, elle risque de se servir de son arme secrète assez rapidement. Bien, allons déjà près de la porte pour finir cette salle. Un bouton. Si je comprends bien, ça va faire apparaître un cube. Excusez-moi, avec tout le boulot que j'ai, je n'ai pas fini de nettoyer cette salle de test. Du coup, il reste parfois des déchets.
qui sentent mauvais et n'ont aucune utilité. Tâchez d'éviter les déchets qui font sur vous. Ah, ça suffit, je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Ah, cool. Les déchets qui ont foncé sur moi m'ont servi à appuyer sur le bouton. Maintenant, il y a un tas d'ordures dans la salle, mais elle a qu'à mieux faire son boulot. Vous avez mal résolu la salle. Vous en êtes consciente, j'espère. Oui, mais vous auriez pu nettoyer la salle avant que je la fasse. J'aurais pu mieux le faire si vous ne m'aviez pas tuée. Au fait, quand je vous parlais de déchets tout à l'heure, je faisais implicitement référence à vous. Oui, je sais. Vu votre manque de réaction, j'avais peur que vous n'ayez pas saisi l'insinuation. J'avais compris. C'est pourquoi je viens de vous traiter à nouveau de déchets. Merci à vous. Vous saviez que les personnes qui n'ont pas la conscience tranquille sont plus sensibles aux crises car... Et comment vous savez que je n'ai pas la conscience tranquille? Après tout ce temps, je vous connais... Ça va pas la tête? Pardon, je faisais mes propres expériences. En tout cas, c'était vraiment très intéressant. Bon, finissons-en au plus vite. Qu'est-ce que... On dirait maman? Oh, que suis-je sotte? L'aurais-je détruit sans vous laisser le temps de terminer le test? Désolée, ce n'était pas mon intention. Et... si c'était elle? Ne vous inquiétez pas, un autre cube arrive. Psst. Hé, tu es Madame Shell ou pas? Eh oh, tu comprends ce que je veux dire? Oh! Bon, ça suffit ce bordel! Zut, je l'ai détruit aussi. Mais pas de panique, on en a plein les entrepôts. Ils n'ont aucune valeur marchande après tout. Aucune valeur marchande? Mais ce sont des êtres humains à l'intérieur! Ils ont un cœur, contrairement à vous, sale psychopathe! Je ne pense pas, non. Et faites attention à vos propos. Sinon, cette salle de test pourrait bien être la dernière pour vous. Et ce... cube. Je me sens tellement impuissante face à elle dans ces salles, ça me saoule! Ne t'inquiète pas, je comprends ta douleur. Alors toi aussi, tu as une conscience? Mais oui, bien sûr! La plupart des cubes de voyage lestés ont une conscience. Dis, tu peux m'aider à résoudre cette salle? Je crois que je vais avoir besoin de toi pour m'en sortir. Bien sûr! Il faut d'abord que tu ailles sur cette plateforme et que tu me mettes devant le laser afin de le bloquer. Comme ça, la plateforme montera et tu pourras continuer cette salle de test. D'accord. Ça marche! C'est ici que nos chemins se séparent, Shell. Hein? Comment tu connais mon nom? Disons que j'ai connu tes parents dans le passé, avant de devenir... ça. C'est vrai? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Marie. Marie Cubi. Non! Oups. Non! Encore une erreur de ma part. Vous m'envoyez navrée. Je la déteste. Je ressens chez vous beaucoup de colère et une énorme envie de vengeance. Tout va bien? Contrôle-toi, Shell. Elle le paiera plus tard. Oui, tout va pour le mieux, d'une certaine manière. Parfait, car d'autres salles vous attendent. Génial. Psst, Shell, c'est encore moi, là. Je t'ai pas oublié. Whitley? Ne me regarde pas. Continue d'avancer comme si de rien n'était, et écoute-moi. Ah là là, j'ai tellement hâte de résoudre cette salle, si vous saviez. Comme je vous comprends. Actuellement, je suis en train de trouver un moyen de dérégler le système. Ça va la ralentir un minimum, mais ce ne sera pas suffisant pour l'arrêter complètement. Ce sera juste assez pour qu'on prépare un plan ensemble. Pour l'instant, je ne peux rien faire pour toi. Faudra te débrouiller sans moi pendant un petit moment. Est-ce que tu as compris le plan? Si oui, dis pomme, et sinon, dis gâteau, tiens. Ah, je mangerai bien un gâteau, pomme. Pardon? Mais non, pas les deux, Shell. Qu'est-ce qu'elle est bête? Pardon, pomme. Je voulais dire pomme. Vous savez, les pommes, c'est rond, c'est rouge, c'est bon, okay, c'est nickel. Juteux, c'est tout. On ça à la fois. Et c'est beaucoup plus sain que les gâteaux au chocolat. Hein. Les bons gâteaux au chocolat, plein de sucre. Désolé, nous n'en avons pas. Sauf si vous voulez une pomme empoisonnée. Je m'en passerai, merci. Voilà, j'arrête là. Maintenant, partez de chez moi. Sérieusement? Mais allez, continuez, quoi! Je vous rappelle que vous vous êtes incrusté chez moi, que je vous ai servi de café, que vous avez pissé dans mon pétunia et qu'en plus de ça, vous arrêtiez pas de parler à mon grippin pendant tout ce temps. Ça suffit, maintenant! Mais allez!
Je dois vous dire dans quelle langue. Cassez-vous, sinon je ne viens pas à la séance de demain. Ah bah dans ce cas... Ça fait 500 euros. Désolé, un réflexe. Je m'en vais. Faut que je nettoie ça maintenant. Ma pauvre petite plante. Tu ne méritais même pas ça. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider financièrement.